Welcome back, ça dit quoi les gens? Les gars, je suis trop contente de filmer aujourd'hui. Vous m'avez tellement manqué. Non mais c'est trop grave, je revis. Oh là là! Enfin bon, aujourd'hui on se retrouve pour nos vidéos préférées. Personnellement, je dis nos vidéos, surtout c'est pas vos vidéos préférées, mais moi j'aime trop les faire. Un petit chat make-up. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit life update, vous parler un peu de ma vie depuis le dernier chit-chat make-up et répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et voilà quoi, pour être bien cute. Est-ce qu'il est bien au centre? Hop, je mets mon miroir sur le côté. Parfait, donc ça veut dire que quand je regarde sur le côté, c'est parce que voilà, ça commence à être important. J'espère que je vous ai manqué quand même, hein. Si tout ça d'absence et je vous ai pas manqué, à quoi bon en fait? Dites-moi. Donc je vais commencer par préparer ma peau. Je vais utiliser mon sérum à l'acide hyaluronique bleu de la neige dans la gamme Waterbank. J'en ai pas beaucoup. Ma crème de jour Radiant C de la neige aussi. C'est une crème enrichie à la vitamine C. Elle adoucit et illumine le teint, etc. J'aime trop, elle hydrate super bien. Même si je kiffe l'utiliser en complément de la Waterbank de base. Je l'ai pas, je l'ai plus, j'ai terminé. Mais je vais me la racheter, je vais la racheter en grand format. Parce que j'ai testé le petit format, je suis fan. Bon, j'allais dire on investit dans les grands formats, mais pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé tous mes petits produits de beauté dans ma liste de cadeaux d'anniversaire. Donc là, je vais grave utiliser mes cadeaux d'anniversaire. Moi, merci à tous ceux qui ont contribué et qui m'ont offert ces jolis cadeaux. Ce que j'aime trop avec la neige, le packaging, il est beau, il est classe. Et puis, genre, il pense à plein de petits trucs. Genre, vous voyez juste la spatule. Par exemple, quand vous avez des ongles, c'est trop bien. Ou pour les gens typiquement qui trouvent pas ça hygiénique de mettre les doigts dans la crème directement, je trouve ça trop cute. Avec aussi le petit opercule pour éviter que la crème elle parte dans tous les sens. Bon, on a beaucoup blablaté là, mais il s'agirait de commencer la vidéo en fait. Donc, here we go. On va commencer par le life update. Donc, premier sujet, comment je vais maintenant? Santé mentale, tout ça. Alors sachez que ça y est, j'ai vaincu la dépression. Et je vais vous dire quoi aussi rapidement? Avec Dieu, tout est possible, ok? Je vais bien. Je vais bien. Vous voyez dans l'autre vidéo, dans mon petit chat précédent, je vous ai dit, je peux pas vous dire que je vais bien. J'étais encore en dépression. J'ai eu encore des moments très difficiles après cette vidéo. Et depuis, genre, je vais bien. Mais vous voyez, genre, un bien dingue. Genre, je pense que ça se voit dans l'énergie de mes vidéos au fur et à mesure que le temps passe. J'ai plus du tout la, il y a plus du tout la même énergie qui se dégage. Mais on sentait quand même que j'étais triste. Et puis, il y a des moments où j'ai pleuré. Et puis, dans ma vidéo aussi, je décide de guérir réellement. Ça se voit aussi que j'en avais encore gros sur la patate. Mais là, guys, I'm so happy right now. Première chose, c'est tout ça, c'est grâce à Dieu. Juste ça me permet d'être heureuse. Le fait que ma relation avec Dieu, elle ait pris une dimension mais auquel je ne m'attendais vraiment pas. Et franchement, les gars, si vous passez par vraiment une phase difficile, dépression, rupture, échec scolaire, etc., toute phase difficile, vraiment, remettez-vous entre les mains de Dieu. Je vous promets, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner contre la dépression. J'ai consulté, j'ai pris des médicaments, des traitements, des anxiolytiques, etc. Mais ce qui m'a aidé vraiment, c'est récupérer ma relation avec Dieu. Mon cœur, il est guéri. Franchement, j'ai pardonné. D'ailleurs, non, attendez, il faut qu'on en parle. J'ai fait un TikTok qui parlait du fait de pardonner. Je vais vous le mettre sur le déco. Je ne sais pas où est-ce que je veux le mettre. Mais où je parlais du fait qu'il fallait pardonner. Quand j'avais lu qu'il fallait aller demander pardon à une personne qui nous a fait du mal. Et les gens et ça a suscité mais, des réactions. Mais je pensais vraiment pas que ce TikTok, il allait péter au point auquel il a pété. Je m'y attendais vraiment pas. Et du coup, sachez que j'ai pas juste mis ce TikTok et puis voilà, j'ai appliqué moi-même ce TikTok. C'est-à-dire que les personnes que j'estimais qui m'avaient fait du mal, que j'estimais qui m'avait blessé, etc. Moi-même, je suis partie leur envoyer un texte où je leur demandais pardon pour les choses que j'aurais pu faire inconsciemment ou pour les choses que je sais que j'ai fait consciemment. Je leur ai demandé pardon pour ensuite moi me libérer. Et vous savez, je pense que c'est à partir de là vraiment où j'ai véritablement pardonné. Parce que
avant ça, je pense que j'avais toujours un certain ressenti, une certaine rancune. Et j'avais l'impression que c'est comme si ces relations-là, elles me hantaient. En plus, les trois, elles sont liées. Donc, une fois que j'ai vraiment passé ce cap d'aller leur demander pardon et d'envoyer ce dernier message, j'étais en mode, ok, c'est bon. La boucle est bouclée, le livre est fermé. Clap de fin. The end. Et ça y est, tu peux continuer ta vie tranquillement. C'est bon, tu ne dois plus rien à personne, tu as fait ta part. Dieu a vu que tu as fait ta part. Entre les mains de Dieu, le reste. Demandez pardon comme vous aimeriez qu'on vous demande pardon. Demandez pardon parce que des fois, vous faites des choses, vous offensez les gens, vous ne le savez même pas. Et des fois, les gens réagissent et vous font certaines choses parce que vous leur avez fait quelque chose, mais que vous n'avez même pas conscience que vous leur avez fait. Donc, leur demander pardon pour ça pourrait ensuite les aider, eux, par la suite, par vous demander pardon. Et c'est ce qui s'est passé. L'une des personnes concernées m'a demandé pardon, même si je trouve ça dommage d'attendre que quelqu'un vienne te demander pardon pour à ton tour demander pardon. But anyway, la personne a fini par s'excuser. Mais dans tous les cas, je vais pas dire que ça m'a pas touché plus que ça. Si, je pense que ouais. Non. En vrai, ça m'a pas touché plus que ça dans le sens où j'attendais plus ça. Vu que j'avais tout remis entre les mains de Dieu, que la personne elle s'excuse ou qu'elle s'excuse pas, I don't care. Voilà. Du coup. Mais la fille, elle blablate, elle s'est maquipée. Hein. Vous voyez, c'est ça le problème du chat make-up. On chit-chat, on make-up pas. Ah oui! Question suivante. Update de zinzin. Non, ce update là. Vous avez pas remarqué, on est dans un autre cadre. Ça fait déjà deux vidéos qu'on est dans un autre cadre. Mais les gars, j'ai déménagé. Et vous savez pas à quel point ça m'a tellement aidé dans ma guérison. Parce que, de toute façon, je vous en parlerai dans ma vidéo témoignage par rapport à ce logement. Parce que toute cette péripétie-là, le logement, tout ça, là, ça mérite une vidéo témoignage spécialement pour ça. Mais avoir un nouvel environnement, etc., ça m'a énormément aidé à guérir. Donc, je pense que c'est aussi un truc que je peux vous recommander, c'est de, si vous pouvez, changer d'environnement. Donc, soit partir en voyage ou déménager, carrément, si vous pouvez déménager. Ça marque vraiment la fin du chapitre que vous êtes en train de terminer et le début d'un nouveau. Et vraiment, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, je vis dans un endroit qui me plaît, c'est beaucoup plus grand. Bon, il y a encore une tonne de choses à faire, à décorer, etc. Mais je kiffe. C'est plus genre je rentrais, je soufflais, rentrais dans ma brique de jus là, avec tous les cartons, les encombrements, tout ça. Non, aujourd'hui là, je suis trop contente. On remet les lunettes parce que sinon, on ne voit rien. Ensuite, je sais que vous allez tous vous poser la question. On me l'a déjà posé, mes amis, tout ça, tout le monde m'a posé. Gabi, les amours, c'est comment? Il n'y en a pas. Il n'y a que moi et Jésus et mon fils. Non, mais sérieusement, c'est la première fois de ma vie, les amis, que je suis célibataire à 100% et que j'apprécie. Je ne parle à personne. Et j'en ai pas envie. Il y a des moments de galère, de difficulté, ou par exemple des moments où je peux me sentir seule. Mais franchement, là, je vis trop bien le célibat. Et je pense que c'était une période que je devais passer, maintenant que je suis dedans. Parce que en vrai, techniquement, je n'ai jamais été vraiment célibataire. Pourquoi? À cause de mes daddy issues. Et j'avais toujours besoin d'avoir un petit flirt. Voilà, c'est ça le terme. J'avais toujours un petit flirt quelque part. Et là, mais genre pas du tout. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que je veux me marier en fait. Je veux mon mari, ma petite famille, pouvoir faire mon prochain enfant et tout, etc. Les darons, ne paniquez pas quand je dis ça. C'est juste que je veux faire tous mes gosses avant 30 ans. But anyway, je ne suis pas en recherche. Et ça, c'est un truc, les filles, je vous recommande de passer par cette phase de célibat où vous ne parlez à aucun garçon vraiment. Je sais qu'il y en a, elles ont besoin de ça à cause de dépendance affective, de ce sentiment de solitude, etc. Mais les filles, il n'y a rien de mieux que d'être dans un célibat et juste de se focus sur soi, vos objectifs, votre foi, votre relation avec Dieu. Ah, fais braise, touche-toi. Que vous voyez vos amis, etc. Vous avez du temps pour faire les choses que de base, vous n'auriez pas si vous étiez en couple. Donc, profitez un maximum. Profitez vraiment de ce temps de célibat pour vous redécouvrir, pour guérir de vos traumas, pour éviter de traumatiser des gens en retour. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment compris de ma dernière relation. C'est que tant que vous n'êtes pas guéri, ne rentrez pas dans une relation parce que vous pouvez détruire quelqu'un.
Quand je vous dis ma dernière relation, elle m'avait détruite, mais jamais je pensais me retrouver dans un tel état. Parce que j'ai déjà vécu une relation très toxique, mais celle-là, comment ça m'a détruit à la fin, je ne m'y attendais pas. Les gars, ça m'a coupé l'envie de vivre. Tout ça parce que la personne n'avait pas guéri de ses traumas. Vous voyez ou pas? Les gens, quand ils ont encore des traumas, ils blessent en fait les gens tout autour d'eux sans le vouloir, mais ils font des trucs, mais ils s'imaginent même pas les répercussions que ça peut avoir. Et carrément, ils en ont même rien à faire parce que dans leur trauma, c'est pas ça qui compte. Demandez à Dieu de vous préparer si vous voulez vous marier ou vous mettre en couple. Parce que aussi, il y a un certain caractère, certaines choses à faire, à avoir, que je pense qu'ils sont primordiales pour être dans un couple sain et épanoui. Ensuite, dans ce temps que j'ai récupéré suite à ma rupture, mes amitiés, oh là là, au-delà du fait que j'ai mis fin à certaines amitiés, j'ai repris le goût de revoir mes vrais amis de base. J'ai passé des moments avec eux, soirée jeux, mon anniversaire, les appeler, aller les voir et tout, etc. Je me suis dit, mais oui, mais c'est pour ça que je suis amie avec eux. Et c'est eux en fait qu'il me fallait durant cette période difficile, bizarre, tout ça. Et ça m'a fait tellement du bien de reconnecter avec eux, se souvenir des bons moments qu'on a pu passer tous ensemble et de se créer de nouveaux souvenirs. Franchement, 10 out of 10. Donc vraiment, quand vous êtes dans une période dépressive aussi, ne restez pas seul, ne vous enfermez pas dans votre mal-être. Parce que ça, c'est ce que j'avais fait à un moment. Je me suis grave enfermée dans mon mal-être, je me suis énormément renfermée sur moi en 2023. J'ai fêté mon anniversaire et les gars, c'était le premier anniversaire où j'étais heureuse depuis mes 17 ans. Et j'ai fêté mes 23 ans. D'habitude, mon anniversaire, c'était je pleure, je suis triste. Enfin, c'était nul. Franchement, mes anniversaires chaque année, c'était nul. Mais là, j'ai trop aimé, j'étais trop contente. Même si l'organisation, franchement. Désolée, désolée les gens, mon anniversaire, mon organisation a été bancale de fou, mais j'ai trop aimé mon anniversaire, c'était trop bien. L'amour qu'ils m'ont donné ce jour-là et qu'ils me donnent au quotidien, c'est juste extraordinaire. Et l'amour aussi qu'ils donnent à mon fils en fait, parce que du coup c'est les tontons et les tatas, incroyable. Franchement, je remercie l'Éternel pour l'entourage que j'ai aujourd'hui. Vous savez, des fois, quand vous rentrez dans la vie, entre guillemets, arrivé à un certain âge, je dirais ouais, la vingtaine, hein. Ça vient avec tout ce qui est écrit de la vingtaine. Vous vous perdez de vue avec vos amis parce qu'il y en a, ils deviennent papa, maman, il y en a, ils se marient, il y en a qui déménagent. Enfin, il y a la vie quoi, vous travaillez et tout, donc vous ne voyez plus autant qu'avant. Et puis on s'enferme dans un métro boulot dodo où on s'enferme dans nos couples et tout, etc. Et franchement, c'est la chose vraiment à ne pas faire. Continuez à aller voir vos amis. Continuez à vous appeler, à prendre des nouvelles et tout, etc. Cultivez vos amitiés, vraiment. Ça, c'est le truc vraiment. Ouais, beaucoup de vraiment. Mais c'est vraiment le truc que j'ai appris en cette fin d'année 2023. C'est cultiver vos amitiés. Cultivez vraiment vos amitiés. Vos amitiés, c'est comme vos relations de couple. C'est comme une plante. Faut l'arroser et tout. Et franchement, ça vous sera bénéfique dans la vie de tous les jours, ça vous fera du bien. Genre. Là, je sais que pour l'instant, j'ai pas encore fait beaucoup de sorties avec mes copines, mais cette année, vous allez me voir everywhere, tout le temps avec mes copines. Je vais vraiment profiter cette année, je vais profiter de mes proches. C'est vraiment une de mes résolutions. Ah oui, et que ça, j'en parlerai encore plus aussi dans une autre vidéo que je vais faire. C'est que sur les réseaux sociaux, on vous dit beaucoup, oui, sortez, allez faire des nouvelles rencontres et tout. Nan, nan, nan. Franchement, non. Franchement, non. Je pense que j'ai compris quelque chose, c'est que les nouvelles rencontres, faut pas les forcer. Vous pouvez aller faire des nouvelles choses, des nouvelles activités et tout, mais vous forcez pas forcément à faire de nouvelles rencontres, à avoir de nouveaux amis et tout. Si vous en avez déjà des bons qui sont là, c'est déjà très bien, contentez-vous de ça, en vrai de vrai. Enfin, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux qu'on essaie de suivre qui sont tellement pas nécessaire pour notre vie. Ça peut servir à certaines personnes, mais c'est pas pour tout le monde. Anyway, on va passer sur la rubrique réseaux sociaux. Parce que ouais, le fait que je sois heureuse a permis mon véritable retour sur les réseaux sociaux. Après ma vidéo chit-chat, j'ai effectivement disparu pendant un mois. Histoire de bien prendre le temps de guérir avant de revenir. Mais moi, de base, j'avais prévu de disparaître pour 6 mois, 1 an. Pendant tout ce temps, personne n'a donné de mes nouvelles sur les réseaux sociaux.
Et si tu veux des nouvelles de moi, t'es juste un proche qui me voit dans la vraie vie. C'est ce que j'avais prévu. Et puis Dieu en a décidé autrement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai retrouvé l'amour des réseaux sociaux que j'avais depuis toujours de base. Alors, on va commencer par parler de YouTube. Oh, les gars, est-ce que vous avez vu mon retour sur YouTube? Déjà, on a dépassé les 1000 abonnés. Yes! Incroyable. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur YouTube depuis 2018. Et vraiment, j'attendais ce moment avec impatience d'arriver aux 1000 abonnés. Quand on dit le temps de Dieu n'est pas notre temps et que Dieu fait bien les choses, c'est réel. Parce qu'il fallait que je sois vraiment bien avec moi-même, dans ma vie, pour pouvoir véritablement apporter ce que je devais apporter sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis tellement épanouie avec mes réseaux sociaux. Genre, j'ai plus de stress, d'angoisse. Par exemple, même si mes stats ne sont pas comme je le voudrais, par exemple, pour certaines vidéos, etc. Ça me met plus en PLS comme ça pouvait me mettre en PLS avant. Je ne suis pas triste en mode, oh, bah, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça touchera les personnes que ça devra toucher et puis c'est tout. Je m'ai vraiment bénie parce que quand je suis revenue cette année, je suis revenue avec 400 abonnés. Voilà, 400 abonnés que j'avais déjà depuis un petit moment. Que j'avais acquéri je crois durant l'année 2018-2019 avec quelques vidéos en 2020, mais vraiment c'est des abonnés qui datent vraiment de cette époque là. Quand j'ai refait mon check-up de ma vie on va dire, et que je me suis remis des objectifs en fin d'année, c'était avoir les 1000 abonnés avant 2024. Et vous savez quand est-ce que j'ai eu les 1000 abonnés? Le 31 décembre. Le timing de Dieu, les gars, le timing de Dieu, c'est pas des lol. Après, je n'ai rien compris. Du coup, j'ai gagné 500 abonnés durant cette année-là. La semaine suivante, déjà au double. Enfin, presque. Je suis presque au double. Enfin, là, ça fait quoi 3 semaines. Ouais, ça va faire 3 semaines. Et j'ai presque 2000 abonnés. Dieu l'a dit, c'est bon. Maintenant, t'es prête. Zoie. L'onction, la bénédiction. Et j'étais en mode, what? Ce que j'ai mis un an à avoir, je l'ai eu en une semaine, parce que j'ai eu mes 500 abonnés, mes 1500 en moins d'une semaine. J'étais outrée. Et après, bon, Satan n'était pas content, donc qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a dit, non, attends, la fille là, je vois que ça part un petit peu trop bien pour elle. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser son téléphone avec lequel elle filme, parce que c'est mon téléphone spécial création de contenu. C'est maman. Allô? Oui. T'as dit quoi? J'ai dit ça va. Ça va et toi? Oui. Merci. Bisous. On peut continuer? Voilà mon ascension qui commence sur YouTube. Et je reprends aussi du poil de la bête sur TikTok. Donc, et je suis trop contente parce que je commence vraiment à créer une communauté, même sur Instagram. De femmes chrétiennes, de garçons chrétiens, jeunes, qui ont aussi envie d'avoir leur influenceur ou youtubeur ou tiktoker, etc. Peu importe leur créateur de contenu, mais chrétien, parce que tout simplement on a envie de consommer du contenu qui va avec nous et avec les valeurs qu'on prend. Et je suis trop contente de faire partie de ces créateurs de contenu-là, quoi. Ça me fait trop plaisir. Et c'est un truc vraiment, au départ, j'avais peur de parler trop de Dieu sur... YouTube, de peur de un, parce que je me sentais pas légitime, mais aussi parce que j'avais peur d'être trop catégorisée et qu'après ça puisse se retourner contre moi avec du harcèlement, etc. Mais finalement, très très bon accueil et mes abonnés sont super contents et moi-même je suis super contente du travail que je rends et je sais que je fais énormément plaisir à Dieu. Du coup, je suis motivée à continuer en fait, les amis. Je suis motivée à continuer. J'ai énormément d'idées. Je prépare énormément de choses. Là, j'ai enfin trouvé le contenu que je voulais proposer sur Instagram. Chose qui était assez un peu compliquée pour moi parce que sur TikTok, j'ai trouvé un peu ce que je voulais proposer. Sur YouTube aussi, je reste la même. C'est juste que je rajoute du contenu chrétien. Ah oui, ça, c'est un truc qu'il va falloir comprendre. Parce que je pense que YouTube a du mal à comprendre. Mais je ne parle pas de YouTube en général. Je parle de mes abonnés. C'est que ne vous attendez pas à voir que des vidéos. Dieu, parce que au-delà d'être chrétien, je suis aussi un être humain et j'estime aussi que je ne peux pas juste rester dans une boîte pour vous faire plaisir. J'aime le contenu chrétien, mindset et tout, mais j'aime aussi le contenu lifestyle, j'aime aussi la mode, j'aime aussi le make-up et je pense que c'est un truc qu'il faut englober.
pour que les gens ils puissent comprendre aussi, c'est aussi se faire belle, c'est aussi bien s'habiller, c'est aussi aller pouvoir faire des vlogs où tu vas au cinéma, où tu vas manger au restaurant avec tes amis, etc., etc. Le même contenu lifestyle que vous pouvez voir chez, on va dire, des personnes mondaines, vous pouvez le retrouver chez vos créateurs de contenu chrétiens. Ce n'est pas parce qu'une personne se dit youtubeuse chrétienne ou tiktoker chrétien ou créatrice de contenu, créatrice de contenu chrétien, que vous allez le voir prêcher matin, midi, soir. Non, parce qu'il n'y a pas que ça. D'accord ? Il faut aussi vivre sa vie avec Dieu, au centre, toujours, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de la nouveauté de cette année. La nouveauté de cette année, c'est Holy Makeover, qui veut tout simplement dire sainte transformation. Ce que j'ai déjà fait avec Holy Makeover, c'est que j'ai créé un e-book de ressources pour vous permettre d'être that Christian girl en 2024 et pour les années suivantes. Vous allez retrouver dedans des listes de, chaînes YouTube à absolument regarder pour être édifié et boosté au quotidien, des podcasts à écouter qui vous permettront d'être vraiment sanctifié tous les jours, mais pas que, parce que ça parle de sujets de la vie diverse, donc vous apprendrez plus sur vous-même, sur Dieu, ça vous consolidera votre relation avec Dieu. Je vous ai fait aussi une liste de 10 livres à absolument lire, à avoir, pour moi, qui sont primordiaux. Je vous ai aussi mis une petite session introspection, mais elle est vraiment légère, que je vais bien développer dans le prochain e-book, qui lui sera payant, mais qui sera beaucoup plus complet. Ce sera comme un journal de glow up, mais avec Dieu, pour devenir la meilleure version de vous avec Dieu, pour établir la meilleure relation possible avec Dieu, avec tous les petits conseils que je peux vous donner, que j'ai pu moi mettre en place, et d'autres conseils qu'on m'a donné, que ce soit des pasteurs, que ce soit des chantres, que ce soit des gens qui servent à l'église, ou même des gens qui ne servent pas à l'église mais qui ont une foi bien établie. Je suis trop contente parce qu'il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui ont téléchargé mon e-book. J'espère qu'il vous aide déjà actuellement et que vous avez trouvé plein de choses qui vont vous aider. À la fin du e-book, je ne l'avais pas dit tout de suite, mais il y a une petite surprise. Et la petite surprise, c'est ma première session de Bible Studies with Girlies. Et Bible Studies with Girlies, qu'est-ce que c'est? C'est une session de Bible Study, donc études bibliques, avec moi et plusieurs jeunes femmes qu'on verra au cours de cette année. Et durant ces sessions-là, nous allons faire des études bibliques, mais aussi une sorte de masterclass pour construire votre mindset, mais avec Dieu, afin de pouvoir vous accompagner le mieux possible pour faire sortir vraiment le potentiel de vous et le mettre en pratique cette année. Donc, la première session va se faire en ligne via Zoom. Je vous mettrai les dates, etc., soit ici ou directement sur YouTube ou Instagram. Je vous prépare aussi la session sur place, et pour celle-là, vraiment, la session en in real, je vous prévois des petites surprises, mais vous allez kiffer. Là, ça va vraiment être masterclass. Donc, il va falloir amener son petit carnet et ses stylos, parce que ça va être vraiment l'école. Alors, vous allez apprendre vraiment comment sortir de ce petit cocon dans lequel vous étiez mis confortable, qui vous empêchait d'être l'extraordinaire personne que vous devez être et faire les extraordinaires choses que vous devez faire. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo, on arrête le self-sabotage. Au-delà de vous faire juste une vidéo, je vais vous accompagner vraiment cette année pour vraiment faire sortir ce potentiel en vous. Ça y est, on ne dort plus cette année, c'est terminé. Et au-delà de vous dire juste c'est terminé à travers mes vidéos, pourquoi pas vous aider à accomplir ce que vous devez accomplir cette année. Donc c'est pour ça que du coup j'ai créé Holy Makeover. Je vous mets le lien du site ici, mais également en barre d'infos, pour vous procurer le e-book et aussi votre place pour les Bible Study, parce que la billetterie est déjà ouverte. J'ai trop hâte de vous rencontrer. Cette idée m'est venue parce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé sur les réseaux sociaux est-ce que c'était possible que je fasse des vidéos ou des sessions de Bible Study avec telle ou telle personne, et je me suis dit mais quoi de mieux que de faire un événement où on se rencontre. Parce que, un, ça va vous permettre, du coup, pour celles qui ont du mal, de faire, des études bibliques et d'en savoir plus sur vous. Une masterclass, mais une masterclass qui est centrée sur Dieu, quoi de mieux. Mais aussi de rencontrer d'autres femmes comme vous, et de pouvoir créer un réseau, de pouvoir vous créer vraiment du contact, des personnes qui peuvent vous en apprendre aussi un peu plus. On va échanger, partager. C'est pas juste moi qui vais vous dire faites ci, faites ça, faites ça. Non, je veux vraiment que ce soit un moment de partage, un moment d'échange où on s'élève chacune.
Et pour l'instant, je vais me concentrer sur les femmes parce que je suis une femme et du coup, je sais plus ou moins facilement ce dont on pourrait avoir besoin. J'espère que vous serez très nombreuses à venir et je suis trop contente de vous annoncer ça. La billetterie est ouverte, n'hésitez vraiment pas à prendre votre place et sachez que pour celles qui prendront leur place pendant les premières sessions en ligne, elles auront du coup un petit cadeau et une réduction pour la session in real. D'ailleurs, je sais que beaucoup vont se demander pourquoi les sessions sont payantes, pourquoi les événements sont payants. Tout simplement parce que pour mettre en place ce genre d'événement, il faut louer les endroits, il faut vous acheter à manger, il faut acheter des cadeaux, il faut payer les logiciels pour pouvoir mettre les choses en place, etc. Et que ça, bien évidemment, ça demande de l'argent et qu'il faut aussi comprendre que lorsque il y a une œuvre pour Dieu, il ne faut pas se dire que vu que c'est avec Dieu ou pour Dieu, ça doit être gratuit. Il faut vraiment s'enlever cette mentalité-là. C'est comme les gens qui disent « Ouais, pourquoi les concerts chrétiens, ils sont pas gratuits ? Pourquoi ça devrait l'être ? Pourquoi ?» Parce que la personne qui chante, elle ne mérite pas de recevoir le salaire de son travail. Tout travail mérite salaire, en fait. Donnons à César ce qui est à César et donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Les salles de concert, c'est pas gratuit. Donc pourquoi le concert, il va être gratuit ? Vous voyez ou pas ? Donc vraiment, go, go, go ! J'ai trop trop hâte de vous rencontrer, ça me fait trop plaisir de vous en parler et j'espère que ça vous plaira, tout ce que j'ai à vous proposer pour cette année 2024. Vraiment, je suis pleine d'idées, ça ne veut pas s'arrêter, c'est incroyable. Et comme je vous ai dit, quand Dieu est au milieu, quand Dieu vraiment prend la place dans votre vie, la dimension que votre vie prend, c'est incroyable. Quand je vous dis, j'avais un peu perdu en créativité, je ne savais plus trop où je voulais aller, comment je voulais faire, les choses que j'allais mettre en place cette année, etc., ma vie, tout ça. Mais là, tout est clair comme de l'eau de roche. Et même une chose que j'arrive pas à visualiser, je visualise pas encore, mais c'est clair. Vous voyez ou pas? Donc là, je vais juste mettre le bronzer et après, je vais faire mon petit make-up des yeux. Parce que du coup, j'en profite pour me maquiller pour la prochaine vidéo que je vais faire. Parce que, ah oui, j'ai disparu, mais ça y est. Il faut que je revienne en force pour vous montrer que non, je vous ai pas abandonné, les gars. Hein. Je suis toujours là. C'est juste que j'avais un petit contretemps à cause d'un problème de caméra. En plus, ce qui m'a énervé, c'est que ce problème de caméra, il est arrivé pile au moment où j'avais reçu mes autres produits pour la création de contenu. J'ai pris des spots lumière, un stabilisateur spécial pour vous faire des vlogs bien quali et tout. Et bim, mon téléphone, il se casse à ce moment-là. J'avais vraiment trop les nerfs. Ça m'a fait trop mal au cœur. Vous connaissez, je vais faire un make-up classique que vous voyez faire tout le temps. Est-ce que la fille va changer ses make-up? No. Enfin bon. Donc là, on va passer aux petites questions que vous m'avez posées sur TikTok, sur Insta et YouTube. Alors, la première question, c'était « Tu n'avais pas peur de Dieu en te donnant un homme avant le mariage ou tu n'étais pas pratiquante ?» Bien sûr que si. J'ai toujours eu la crainte de Dieu. Mais à l'époque, j'étais très, très, très naïve. Et ça, mon père, il me l'a toujours dit et j'étais grave dans le déni, mais j'ai bien compris cette année, c'est que je prends trop ce qu'on me dit plutôt que regarder aux actes. Beaucoup d'hommes sont des menteurs et n'hésitent pas à mentir pour obtenir ce qu'ils veulent, donc avoir des relations avec vous en vous disant « Je te quitterai jamais, de toute façon on va se marier, c'est toi la femme de ma vie, je veux que tu sois la mère de mes enfants, blablabla ». Et avec toutes les avis issues que j'avais, ben moi, les choses comme ça, tu me disais ça, ben je te croyais, je prenais ça pour argent comptant. Et voilà. Voilà comment je me suis donnée avant le mariage, alors que de base, je voulais me préserver. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette, mais à la fois non, parce que j'ai fait la paix avec moi-même. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais aujourd'hui, ça m'a donné mon fils et je suis très contente d'avoir mon fils. Tout ce que je peux vous dire, les filles, pour celles qui ont vu mon TikTok, j'ai parlé du fait que donc j'ai refait mon vœu de chasteté. Donc j'ai redonné mon corps à Dieu, je l'ai remis entre ses mains. Et les filles, il n'y a rien de mieux à faire. Franchement, c'est la chose que je vous recommande, c'est préservez-vous. Préservez-vous parce qu'en vrai, ça ne sert à rien. Le monde va vous faire croire que vous avez besoin d'avoir des relations sexuelles, etc. pour être bien, pour être épanouie, etc. Mais pas du tout.
Pas du tout, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et vous vous mélangez avec des gens qui au final ne vont même pas faire leur vie avec vous et au final vous savez pas avec qui vous vous mélangez et avec quoi vous vous mélangez. Les amis, le monde spirituel c'est pas des lol. Le monde spirituel c'est pas des lol. Des fois vous avez des attaques, des choses qui vous arrivent dans vos vies, vous vous demandez c'est pourquoi. C'est tout simplement à cause de la personne avec qui vous avez des relations. Des fois ces gens-là ils ont des attaques dans leur famille ou ils font des choses bizarres mais vous n'êtes même pas au courant mais vous vous donnez à cette personne et au final ça se retranscrit sur vous. Vous voyez ou pas? Donc faites très attention, vraiment. Préservez-vous un maximum. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Les ouais, je vais te marier, tout ça, tant qu'il n'y a pas la bague au doigt devant le Seigneur. Ça rentre, ça sort, d'accord? Vraiment. Je vous le dis. Je vous parle en connaissance de cause. Les hommes sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour avoir ce qu'ils veulent. Et c'est triste, hein, mais c'est réel. C'est réel. Et la même chose pour les garçons, préservez-vous. Parce que ce monde-là dans lequel on vit veut beaucoup nous faire croire que c'est que les filles qui doivent se préserver, mais aux yeux de Dieu, là, on est tous dans le même bateau. Dieu, il a demandé à se préserver à tout le monde. Il n'a pas dit juste aux filles, il n'a pas dit juste aux garçons. Vous laissez votre corps vous dicter. Et c'est pas bon. Donc, ouais, vraiment, préservez-vous. Garçon comme fille, préservez-vous. Ça ne sert à rien de se mélanger avec tout le monde, ça n'apporte rien. Perte de temps, perte d'énergie. Ok? Ok, we good. Question suivante. J'arrive pas à avoir le même caractère que Jésus, exemple, façon de parler. Ma belle, comment te dire que je pense qu'on est beaucoup en tant que chrétien à avoir du mal à ce niveau-là. Pas forcément la façon de parler, mais je dirais avoir le caractère de Jésus. Typiquement, quand j'ai compris ça, quand j'ai vu ma vidéo TikTok sur le pardon et les commentaires, ouais, moi, je suis pas Jésus pour faire ça. Y a que Jésus qui est parfait. Moi, je suis pas Jésus pour pardonner, non. Et je me suis dit, on est beaucoup. Je suis grave retrouvée en toi parce que c'est vrai que moi, à un moment, je culpabilisais beaucoup. Dans ma façon de parler, je trouve que j'ai un peu un côté un peu ghetto, tout ça. Ce que je dois te dire, c'est que on n'est pas parfait et on le saura jamais. Ne te culpabilise pas de ne pas être exactement comme le Christ, mais cherche à de plus en plus te rapprocher. Faut aussi comprendre que le fait d'être chrétien ne veut pas dire être saint du jour au lendemain. À partir du moment où tu te dis chrétien ou que tu fais ton baptême, ça y est, t'es saint, t'as la meilleure façon de parler, la meilleure façon de faire les choses, etc. Pas du tout. Il faut chercher à faire au mieux. Dieu, il a ses attentes envers toi. Vas-y step by step, petit à petit. Parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi chez les chrétiens, c'est qu'on aime trop avoir des changements du tout au tout du jour au lendemain. Mais les amis, le changement, ça prend du temps. Et quand je dis ça, je dis pas en mode ça va prendre forcément des années ou des mois. Mais juste, ça demande un peu de temps. C'est pas du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez avoir une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de vous habiller. Enfin, petit à petit. Commence déjà par remplacer certains mots par d'autres. Cherche à rendre ton vocabulaire un peu plus riche. Demande à Dieu la force pour arrêter de dire certains mots. Corrige-toi de plus en plus au quotidien. Demande aux gens de te corriger, etc. Mais vraiment, ne culpabilise pas. Et surtout, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Toi, tu voudrais que ça se fasse rapidement, etc. Mais Dieu, il aime faire les choses avec processus. C'est comme ça aussi qu'on voit les changements petit à petit parce que ça prend un certain temps, ça se remarque et il y a des étapes. Prenez votre temps et appréciez le processus du changement avec Dieu, step by step. Typiquement, moi je sais que j'avais du mal à lire la Bible, tout simplement, à lire la Bible et du coup à vraiment consolider ma relation avec Dieu parce que sans lire la Bible de façon régulière, c'est difficile d'avoir une bonne relation avec Dieu. J'ai commencé par juste lire un verset tous les jours. Suite à ça, que j'ai pu finir par faire mes Bible study tous les jours et lire la Bible, des fois juste par pure envie. Et au final, lire la Bible pour faire mes vidéos, lire la Bible pour aider mes proches, etc. Alors que de base, j'avais énormément de mal à lire la Bible. Ça m'a demandé du temps. Il y a des jours où j'ai oublié de lire la Bible.
Il y a des jours où j'avais la flemme de lire la Bible, etc. Mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné. J'ai continué, j'ai demandé à Dieu de m'aider, la force, etc. Et Dieu, il est là, Dieu, il est à l'écoute. Dieu nous entend, Dieu nous voit, en fait. Il suffit qu'on lui demande les choses et il nous exauce. Des fois, on oublie vraiment ça. C'est le fait de demander de l'aide à Dieu. Dieu, il est là pour nous aider. Il sait que ça va être difficile pour nous. Donc, jamais il va nous demander de faire les choses tout seul, vite, rapidement, directement. Et surtout, il ne va pas s'attendre à ce qu'on fasse tout seul. Il est là pour nous aider. Il le dit tout le temps dans sa parole. J'ai peur de me différencier des autres pour suivre pleinement Dieu. Alors ça, vraiment, ça revient avec ce que je disais dans ma précédente vidéo. Je crois que c'était « Comment se rapprocher de Dieu en 2024 ». Il faut arrêter de prendre en considération le regard des gens. Vraiment. Parce que ça, ça va vous pourrir vraiment votre relation avec Dieu. Et au final, plus tard, quand Dieu vous demandera des comptes, ça va être chaud mabé pour vous. Parce qu'il va vous dire « Ouais, à tel moment, moi je t'avais demandé de me suivre et tout. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? » Qu'est-ce que vous allez dire ? Si aujourd'hui vous avez peur de suivre Dieu à cause de votre entourage, c'est que c'est votre entourage le problème. Parce que vous avez peur de plus avoir votre place dans votre groupe d'amis, vous avez peur que les gens ils vous voient un peu comme une paria, sachez que c'est parce que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Je vous le dis franchement. Moi aussi, à un moment, j'avais peur de ça. Je me rappelle, c'était au lycée. Et c'était tout simplement parce que je n'étais pas entourée des bonnes personnes. Une fois que j'ai fini par trouver mon entourage, et je ne parle pas forcément des personnes chrétiennes trop pieuses et tout, hein, parce que j'avais des amis musulmans, etc. Mais une fois que j'ai trouvé vraiment les personnes qui me respectent, qui respectent ma foi et qui sont amies juste pour moi et ce que je représente, j'ai vraiment consolidé mon cercle d'amis. Quand je vous dis, les gars, ne reniez pas Dieu pour ce monde, c'est réel, parce que dans la Bible, il le dit, si aujourd'hui vous le reniez pour le monde, quand ce sera le moment du jugement dernier, il va vous dire qui êtes-vous et il va vous renier devant son père. Il le dit, il faut que je retrouve le verset et je vais vous le mettre. N'ayez pas honte de lui pour le monde, pour des gens, des êtres humains lambda. C'est pas eux qui vont vous donner votre place auprès de Dieu. C'est pas eux qui vont faire que votre vie elle sera meilleure. C'est Dieu uniquement. Ça doit être une fierté. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est choqué que je fasse un rebranding 360 et que je me retrouve à parler de Dieu. Il y en a plein qui ne comprennent pas ce qui se passe et tout. Et c'est typiquement parce que Dieu l'a tellement fait dans ma vie ces derniers temps que je me dis, je ne peux pas juste ne pas en parler. C'est impossible. C'est obligé que j'en parle, que je vous dise à quel point Dieu a été incroyable pour moi, à quel point il a été merveilleux, à quel point il a fait dans ma vie. Dernière question. J'ai l'impression d'être perdue, je me sens à la fois proche et loin de la vie que Dieu veut pour moi et cela me stresse énormément. Il ne faut pas stresser. Le stress n'est pas de Dieu. Le stress, c'est une émotion que Satan vient nous mettre. Si tu crois en Dieu et que Dieu t'a montré ce à quoi ce à quoi il aspire pour toi, pourquoi tu stresses ? Tu stresses de quoi ? Dieu t'a montré ce qu'il veut de toi, il va le faire. Toi, fais ta part et lui, il fera toujours sa part. Notre Dieu n'est pas un Dieu faillible. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que si t'as montré certaines choses, fais ta part et Zala calme. Fais-lui confiance vraiment à 100%. En fait, on est tellement préoccupés qu'au final, on bloque la bénédiction que Dieu a pour nous. Il y a un verset qui dit, vous priez, mais en gros, si vous doutez, bah, vous n'allez pas avoir ce pourquoi vous avez prié, c'est mort. Parce que vous avez douté. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec la confiance. Si vous y croyez, il va accomplir. Mais si vous n'y croyez pas et que vous faites les choses mais que vous avez le doute en vous, ça ne s'accomplira jamais. Croyez en Dieu. Et quand vous sentez que vous avez des doutes, vous avez peur, vous vous stressez ou quoi ou qu'est-ce, demandez à Dieu vraiment d'agir dans votre cœur, de vous apaiser, de vous retirer ce stress et que vous avez confiance en lui. La société nous met énormément la pression. Je pense que même si c'est des choses que Dieu attend de toi, je pense aussi que tu stresses beaucoup par rapport au regard des autres. Tu te dis que ça prend du temps, que tu es en retard, que si, que ça. Pas du tout. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Je le répète, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ça veut dire que toi, tu estimes que peut-être tu aurais dû accomplir tout ça là maintenant. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas encore prête pour accomplir tout ça. Fais les choses étape par étape. Comme j'avais dit tout à l'heure, Dieu, c'est un Dieu de processus. C'est ça que j'ai remarqué. Il aime les processus. Il aime que les choses se fassent step by step. Lire la Bible m'a tellement rassurée à plusieurs reprises. Juste
un verset peut t'apaiser sur des trucs pour lesquels tu stressais depuis des années. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la femme de Lot là, mais Dieu lui avait dit, ma belle, va tout droit, fais-moi confiance. Elle l'a pas écouté, elle l'a regardé en arrière parce qu'elle a douté. Parce qu'elle a douté, elle a stressé, elle était anxieuse. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en statue de sel. Soyez obéissant, faites confiance à Dieu et vous serez exaucé. Je pense que j'ai énormément parlé, le montage va être incroyable. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à mes réseaux sociaux pour ne rien louper et surtout pour ne pas louper la date des sessions de Bible Studies with Girlies. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à laisser un max de commentaires parce que j'aime trop vous répondre et discuter avec vous. Appuyez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je vous ai dit, là je suis de retour, en plus la caméra elle est revenue. Ça va bombarder les amis, ok? Ok. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Kiss.